Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent LEGO City 2017. Et aujourd'hui, eh bien, nous entrons dans un nouveau week-end de décembre, le troisième pour être exact, si je ne dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes le samedi 16, justement. Et hier, je vous rappelle, le 15, eh bien, nous avons eu une petite construction de jouets, un petit camion de pompiers, ma foi, fort sympathique et fort mignon. Et donc, qu'allons-nous avoir aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas. Découvrons ça ensemble. Alors forcément, la case est en bas, donc on commence à être un peu compliqué à accéder. Mais bon, on croit en mes compétences d'ouvreur de case. Voilà, comme ceci. Et oh, on a une prise. Et donc aujourd'hui, on aura, eh bien, un autre mini véhicule. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Alors bien évidemment, hein, vous connaissez maintenant la rengaine. Lumière et mise au point. Alors, par contre, ce sera un peu plus rapide à construire, je pense, que le camion qu'on a eu hier. Hein. Il y a très peu de pièces. Mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément moins bien ou autre. On verra ça ensemble. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Attention à ne pas se tromper déjà. On va prendre 7 une fois 2, comme ceci. Et ceci, ici, donc, ce sont les mêmes, comme vous pouvez voir, elles ont une petite pièce à clip à ce niveau-là. J'accroche cette pièce de roue ici. Oula, par contre, j'essaie de centrer tout ça, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et je mets ça là. Hop, comme ceci. Donc ça, c'est bien centré. Donc attention, hein, il y a bien un sens particulier. C'est la pièce qui monte au-dessus qui se met à l'avant, visiblement, du petit véhicule. Et puis pour le reste, eh bien, ça va se faire en trois pièces. Donc une fois deux qui, pour l'instant, est eh bien. Sera un peu au-dessus du vide, comme vous pouvez le voir. Puis après, une pièce, une fois deux, courbée. Et enfin, on va caser au milieu une. Vous pouvez la déplacer comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc, on va nous la centrer, bien évidemment. Une petite une fois deux lisse. Et donc, eh bien, vous avez une petite voiture de course, visiblement. En tout cas, une sorte un peu de Formule 1 au niveau de l'aileron assez proéminent à l'arrière, je pense. En pièce supplémentaire, une paire de roues. Qui peut éventuellement faire aussi une paire d'haltères, je ne sais pas. Il me semble que les figurines peuvent tenir cette pièce dans leurs mains. Et donc voilà. Donc forcément, un peu moins d'être impressionnant que le camion de pompier, mais ça reste plutôt sympathique. Alors, est-ce que ça peut se poser par terre? Ça peut, mais ça roule pas vraiment. La brique forcément va toucher en dessous avant que la roue ne touche. Donc bon, c'est pas non plus le truc le plus incroyable. Voilà. Donc ça roule pas vraiment, vraiment, quoi. C'est vraiment un peu factice. Ok. Bah écoutez, c'est tout pour cette petite surprise. Donc, d'être un peu moins impressionnant que les autres véhicules à construire qu'on a eu. Toutefois, ça reste dans le thème et c'est vrai que moi j'aime bien cette thématique du petit véhicule. Et j'aime aussi bien tout ce qui est un peu bolide de course comme ça. Donc, bon, même si ce n'est pas spécialement incroyable, eh bien, ça reste pas trop trop. Alors, par contre, là, c'est vraiment l'invasion des véhicules en fait. Hein. Je ne sais pas trop où les mettre. Alors, on va peut-être mettre la petite voiture à ce niveau-là, près de l'avion. Parce que là, honnêtement, c'est un peu compliqué. Ils auraient dû nous faire construire des étagères en Lego pour mettre les modèles dessus. Ça aurait été un peu plus intéressant, je pense. On aurait un peu plus de place, même si, bon, comme pour les véhicules, prennent aussi pas mal de place. Hein. Mais voilà, au pire, vous pouvez mettre la voiture sur les rails pour la faire poursuivre le train, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on va s'arrêter là pour ce 16e jour et cette petite surprise. Demain, logiquement, si vous suivez bien votre calendrier interne, dans votre tête, dans votre cervelle, eh bien, vous savez que nous serons le 17 décembre, le dimanche, et la case sera bah, justement ici, donc pas non plus trop trop loin du 16. Donc on verra ce qu'elle nous promet, peut-être à nouveau une figurine, ou on continue sur nos petits véhicules, parce que effectivement, c'est comme 3 jours de suite qu'on fait du petit véhicule, donc à voir si on change un peu, vu que comme vous avez pu le voir, quand même, avant d'avoir autant de petits véhicules, on a aussi eu eh bien, des structures, avec par exemple la cheminée, le petit siège ou le petit stand, ou encore. Et eh bien des sortes eh bien de j'ai pas des véhicules mais des objets pour taille figurine quoi comme par exemple la luge ou encore je vais dire cet enlèveur de neige ce qui n'est pas du tout le terme exact mais bon voilà on restera avec enlèveur de neige pour aujourd'hui ce sera très bien comme ça et donc bah, écoutez moi je vous quitte là-dessus et puis on verra bien ce qu'on aura demain ce sera la surprise et pour le reste on va passer un bon samedi ou une bonne journée en général et puis on se retrouve très 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 prochainement. Allez, salut à tous.